on a pu commencer à étudier les tatouages de jambes, mais grâce à l'appui des parcs zoologiques. Parce que aujourd'hui, les grandes organisations, elles investissent dans des projets plus thématiques. La déforestation, le changement climatique, la désertification, le plastique, la pollution avec le plastique. Et qu'est-ce qui investit aujourd'hui? Quels sont les plus gros donateurs pour la conservation des espèces? Ce sont les parcs zoologiques. Et donc c'est grâce à l'appui des parcs zoologiques qu'on a pu étudier cet animal sur lequel on ne savait pratiquement rien. Et aujourd'hui, notre projet, on a un projet dans le Pantanal, dans le Cerrado, dans la forêt antique, dans le Chaco, et qui a commencé avec juste une personne. Maintenant, on a 20 personnes à plein temps qui travaillent dans notre ONG.